1793. L'armée française est à la recherche d'hommes d'honneur. Ce que tu as en main, c'est une épée ou une bêche? Tu ferais peut-être mieux de t'en tenir au labour. Le général Marcourt, il a fait massacrer des gens dans la France entière au nom de la liberté. Les Templiers l'adorent. Aux yeux de Marcourt et des conspirateurs templiers, la révolution n'allait pas assez vite. À de Molay. Alors ils ont mis sur pied un coup militaire. Mais ce que Marcourt ignorait, c'est que l'un des conspirateurs n'avait rien d'un Templier. Alexandre Dumas, héros militaire de la Nouvelle République, ami des assassins. Dumas était plutôt coriace. Un héros de guerre qui a changé seul des bataillons entiers. Bonaparte l'a comparé au héros de la Rome antique. Avec ce pouvoir, Marcourt voulait sélectionner les meilleurs éléments pour son coup d'état. Mais Dumas y a mis son grain de sel en invitant les assassins. Les vainqueurs du tournoi rencontreront Marcourt en personne. Remporter le tournoi et tuer les conspirateurs templiers. Vous vous croyez à la hauteur, citoyens ? Approchez et prouvez votre valeur ! Vous n'accéderez pas au tournoi sans lettre de référence. Vous en trouverez à proximité, mais il ne sera pas facile de vous les procurer. C'est plutôt le destin qui se joue. D'exécuter une mission secrète. Thank you.
vous avez été. Était-ce une guerre ? Raison ou quoi ? Changez d'air, mon fils. Pourquoi tout ce vacarme ? Souffrez-vous des jambes, ils peuvent attendre. Je me sens trop bien, je crois que je vais rentrer. Je n'ai rien fait, rien du tout, pitié. Ce n'est pas notre honte, oh Seigneur. Inquiète-toi. Il échappe à la justice. Tiens! Tu vas courir plus vite que moi! Comme ils vous prennent pour des soldats français, vous serez plus convaincant si vous ne tuez pas vos compatriotes. S'il y a des morts, ils se douteront de quelque chose. Tu me laissais juste pas encore. C'est la dernière lettre. Allez participer à la première épreuve. C'est le moment de prouver votre talent pour le parcours. Je veux voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Une main particulièrement hideuse. C'est drôle, ça. Oh. La garde de Paris, venue concourir. Faites honneur à votre ville, citoyens. Rappelez-vous, vous devez récupérer ces drapeaux rapidement pour vous qualifier pour l'épreuve suivante. Partez !
Vous avez écrasé la concurrence dans un concours d'escalade, mais ce sont des combattants que cherche Marcourt. Faites en sorte de ne pas décevoir. Gardez vos lames et vos balles pour l'ennemi. Ok, vous devez hisser le drapeau de votre équipe et les autres vont essayer de vous en empêcher. Bon courage. Tout le monde est prêt? En garde! Oh!
un autre drapeau. Il vous fera franchir la gare. Félicitations, citoyens! Vous avez combattu avec bravoure! Suivez-moi, guerrier. Vous allez recevoir les honneurs. Vos prouesses ont su me rappeler mes jours dans la Légion Franche. J'espérais que vous vous montreriez plus discret. Les hommes que vous avez tués ont éveillé les soupçons. Marcourt a convoqué ses gardes du corps. Vous aurez toutes les peines du monde à l'approcher. Vous allez devoir vous battre. Mais faites tout votre possible pour venir à bout de Marcourt et de ses alliés. Bonne chance. Huh?
Daniel. Il s'agiterait moins. Mais qui a osé te faire ça? Seigneur, Gabriel. Oh ah, mais t'es une Gabe? Gabe, où vas-tu? Ma tête. Seigneur, Brimer, qui a osé faire ça? C'est terminé. Il est probablement temps de s'éclipser. Donc ça là-bas, c'est ça.